La France va commencer à fermer des bases militaires dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021 dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel. Emmanuel Macron l'a annoncé en marge du sommet des pays du G5 Sahel qui s'est tenu ce vendredi par visioconférence. En cohérence avec l'impératif d'endiguer une diffusion de la menace au sud, elle se traduira par une réduction de nos empreintes militaires les plus au nord. Ces fermetures s'étaleront sur le second semestre de l'année 2021 et seront achevées d'ici le début de l'année 2022. Kidal, Tessalit, Tombouctou seront ainsi progressivement dégrafées. Notre présence militaire au Sahel s'articulera autour de deux missions. La première consistera à poursuivre la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des deux organisations ennemies. La deuxième mission se concentrera sur l'appui à la montée en puissance des armées de la région. Aujourd'hui, le terrorisme est la plus grande menace qui entre le sommet des populations africaines. La lutte contre ce phénomène est acharnée, surtout dans le Sahel, avec la présence de plus de 5000 militaires français, en plus des troupes onusiennes et africaines. Cependant, le président français renseigne que le retrait des militaires français se fera progressivement. Par contre, à terme, nous aurons sur le dispositif qui est ici décrit entre 2500 et 3000 hommes. En plus de ça, nous aurons les dispositifs sédentaires, par exemple en Côte d'Ivoire, les forces françaises en Côte d'Ivoire qui seront également en appui. Ce sommet du G5 Sahel a été l'occasion pour le président nigérien d'annoncer que son pays et le Nigeria ont trouvé un accord pour le retour de plus de 130 000 Nigérians réfugiés au Niger. Nous nous sommes fixés comme échéance le mois de novembre-décembre pour que tous les réfugiés du Nigeria qui sont sur le territoire de la région de Difa retournent chez eux. C'est plus de 130 000 personnes, peut-être, dans plusieurs camps dans la région de Difa qui ont vécu jusqu'à présent du soutien de la communauté humanitaire. Dans le cadre de cette réarticulation du dispositif français, l'emprise militaire du Niger, qui accueille les avions de chasse et drones français, sera musculée. Le Tchad, où se trouve actuellement le QG de l'opération Barkhane, appelé à disparaître, restera un élément clé du dispositif, avec le maintien d'une présence aérienne et terrestre significative.